Et salut tout le monde, c'était Félix, on se retrouve pour le 9ème épisode du Let's Play en découverte de Pokémon version noire 2. Donc, avec Aiko. Oui, avec Aiko, c'est plutôt toi qui est avec moi, mais bon, salut à tous. Donc comme il l'a précisé, nous nous retrouvons pour l'épisode 9 de Pokémon version noire 2 en découverte. Nous tournons à la suite de l'épisode précédent. Alors l'épisode dis-moi où 8. Est-ce que nous nous rendons. Donc là on va faire un combat assez important contre un membre de la team Plasma. Oui, je vois, ouais. Et nous allons aussi faire au complet le désert, si possible, voilà. Oh, c'est toi. Me permettrais-tu d'étudier les Pokémon composant ton équipe? Ouais. En te remerciant. Intéressant. Stupéfiant, plutôt. Ton Riolu exhibe une confiance bien plus élevée que la moyenne de son espèce. Il ne possède pourtant que 3 badges pour le moment. Fascinant. Je ne possède pas encore d'explication rationnelle, mais tu sembles posséder une qualité qui te permet de tirer tout le potentiel de tes Pokémon. Faut dire toute cette phrase sans respirer, c'était dur. Hein. Mais j'ai oublié de me présenter. Je me nomme Nikolai, chercheur. J'étudie, comme tu l'auras deviné, la façon de tirer tout le potentiel des Pokémon. Que dis-je? Tirer, extraire, sublimer leur force. Mais quelle est la clé de cette énigme? Est-ce le dresseur ou l'autre adjuvant? Mes analyses seraient concluantes en t'affrontant, peut-être. Qu'en dis-tu? Ouais. Très bien, nous nous retrouverons sur la route 4 en ce cas. Mais tu dis que de la merde. C'est après grand combat. D'accord. Ça fait quoi si je me mets devant quelqu'un? Ouah! C'est quoi ce bordel? Il bouge! Attends. Oh, trop bien! Ah, Bianca! J'ai dû courir dans tous les sens pour te rattraper. Je voulais te donner quelque chose. Tiens, un cherche-objet. Ah oui, y'a pas une pierre fonte qu'on pouvait trouver via cherche-objet? Oui. Elle est où? Oui. C'est où? T'inquiète, vas-y, continue. Je t'entends plus, on t'entend plus par contre. Continue l'aventure. D'accord. Tu peux remonter un peu le son de ton micro parce qu'on t'entend plus beaucoup. C'est pas grave. Que je viens de me moucher en fait. Ah ok. Pour élever un Pokémon vite et bien, le mieux est de le faire se battre. Du coup, ça fait comme ça. D'accord. Un rototope. Rototope. Oh, j'aime bien ce Pokémon. Il est type sol. Ouais, sol acier. Ça va faire plaisir à Guillermo. Quoi. Quoi? Ah, ça lui a rien fait. Je sais où c'est. De quoi? Ça y est. De quoi? Oh mec, c'est la prochaine ville, le truc pierre poudre. Ah cool, à acheter? Quoi? Attends, non, à le cherche objet justement. Un mari va être envoyé. Je crois que c'est bon pour la pierre poudre, tu vas en faire évoluer. Mais bon, tu rushes le désert parce qu'il y a rien d'important. Ok, je vais faire un minimum de combat quand même, histoire de pas être à la ramasse pour Guigarou. Ah, la ramasse. Oui, c'est ça, c'est la ville après le désert, le truc. Ok. Et par contre, où est le pierre poudre? Attends. Oh, relax, respire. Le mec qui a rien dit. Ta gueule, tu relaxes, ok. Attends, c'est bien ça. Voilà, donc on l'a battu. Et j'ai cru voir le mec là, Nikolai. Je sais pas trop quoi, juste au-dessus. Nikolai. On va mettre Petit Poison en premier parce que tu me dis toi-même que c'est une merde, mais avec Roulade, il est plutôt intéressant. C'est une merde. Je t'attendais. Oh, je sens une pointe de curiosité pour le paysage derrière nous. Il ne s'agit pas comme un coup d'œil le laisserait croire, de simples rochers. Il s'agit de Pokémon, des crabaraques plus précisément. Maintenant, admire. J'ai mis au point un appareil destiné à provoquer un réflexe chez les Pokémon. What the fuck? Et c'est là où tu vas l'affronter, hein. C'est des crabaraques, les Pokémon insectes roches. Ouais, c'est crabaraques. Peut-être étaient-ils épuisés de porter leur pesant rocher. Il ne s'agit que d'une simple conjecture de ma part, bien sûr. Dis-moi, as-tu entendu parler de la Team Plasma et de son credo? La reconnaissance du potentiel des Pokémon passe par leur libération. Baliver. Au contraire, l'humanité a pour tâche d'extraire le potentiel des Pokémon. Il me fait un peu chier lui par contre avec ses manies d'intello là. Mais à nouveau, mon esprit scientifique prend le pas sur la politesse. Je me rends compte que je ne t'ai pas demandé ton nom. Aiko, voilà qui est plus facile à retenir que mes formules.
Bien, j'aimerais voir si en tant que dresseur, tu es capable de libérer toutes les ressources de ton équipe. Il a un Magnéti. D'accord. Ouais, en gros, Ryuli va se faire plaisir, là. Et après, il a un Pokémon de passer. Ouais, donc... Ah merde, j'ai mis Scobolide en premier. J'avais oublié. Le Pokémon, le deuxième Pokémon qu'il va envoyer, je l'adore. À ce point. C'est mes Pokémon préférés, la 5G. J'ai trois Pokémon préférés de la 5G. Me dis pas qui c'est de la 5G, je vais découvrir. Cage éclair, oh ta mère. Donc moi j'aime ma Batelotre. Motion. Le Pokémon que tu vas voir après. Et le Pokémon de type électrique, serpent électrique. Donc je vais t'essayer de découvrir aussi. Un peu plus tard pour vous. Hop, on va changer de Pokémon parce que yo. Parce que voilà. Voilà, c'est ça. Parce que j'ai envie. Et avec Kalidos, tu vas les buter. Tu vas les one-shotter. Faire crofeu. Attends, quoique, il a pas. Éviation Statique. Bah non, il a pas statique. Il a soit l'éviation, ouais, soit. Je pense qu'il a plus l'éviation. Bon. Putain, par contre, il fait chier avec KGK. Bah, c'est pas grave, tu vas attaquer en deuxième, c'est tout. Non, parce que j'ai une chance sur. C'est une chance sur combien de pas attaquer. Tu vas tu vas quand même attaquer en deuxième. Il me fout la neige, c'est bon. J'ai dit un truc tellement YOLO. Voilà, Magnéti est out. Oh, popo. Un tic. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah c'est tic. Garde la main. C'est ce que j'allais faire. Ah, c'est lui! J'adore ce Pokémon. Lance écrou. C'est pas une attaque réservée à lui, ça? Il est tellement énorme, ce Pokémon. What? Il fait quoi, là? Il m'a tellement cheaté aussi. Ah, mais je vais crever, là! Oh, il a fait deux fois, t'as que de la chance. Non, tic! Putain, t'as battu mon Pokémon préféré. Ah, c'est tic, après il y a clic, après il y a clic, il y a clic, il y a clic, clic, clic. Photocopie, ça fait quoi déjà? Ça copie l'attaque de l'adversaire? Ouais, non, ça m'intéresse pas. C'est de la merde! Donc, il y a clic, il y a clic, il y a clic, 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 clic. Sérieux? Ouais, il y a clic, clic, clic. Je vois, donc, voilà, à l'instar des champions d'arène ou des membres de la ligue, tu prends un grand soin de ton équipe afin d'en tirer le maximum. Tous les dresseurs de cette catégorie se ressemblent. Je pourrais vraiment établir une typologie des dresseurs. Très de scientifique, ton assistance dans mes recherches mérite récompense. Autant, ouais! Ça fait du fric ça à vendre, donc voilà. Bah allez, ta gueule. On va se soigner, vite fait, je vais faire une petite ellipse, le temps d'y aller. Bon, après cette petite ellipse, on se retrouve pour vous présenter soit c'est un bug du jeu, soit c'est voulu, et dans ce cas-là, ça peut être très très relou. C'est-à-dire que c'est la troisième fois que je fais ce même dresseur en fait. Phoenix en était moins. C'est la troisième fois que je fais ce dresseur avec ce Rototaupe et ce Marine. Et on va vous montrer le bug juste après. Tu peux le faire à l'accéléré, ça va prendre ça va être chiant. J'ai peur que ça fasse un décalage parce que je suis avec Camtasia quand même. Tu le filmais pas avec Terry, ça va? Ouais, mais je sais pas si t'as vu l'épisode 3 ou 4 dedans, j'ai expliqué pourquoi j'ai arrêté de filmer avec Merylis sur ça. Ouais, mais je sais, mais moi je filme avec mon intermédiaire, donc du coup voilà, c'est faux. DS? Bah non, mais je vais plutôt faire des let's play, enfin, let's play émulateur, j'en ferai... Ah ouais, oui. Moi je vais acheter un intermédiaire aussi, du coup... Moi j'ai déjà un intermédia. Ah ouais? Pourquoi tu commences pas tes vidéos? Ah, j'ai déjà un intermédia. Je veux dire, c'est bon, il est commandé, mais je le reçois que le 23-24. T'as pris lequel? Intermédia Game Capture HD. Celui où on peut enregistrer directement le son à partir de l'intermédia? Bah, avec la télécommande et tout, genre j'ai même fait un emplacement et tout, juste à côté du disque dur pour craquer la bouille. Là, à côté, voilà quoi, hein. Non, moi je te parle parce qu'il y a un avant média qui existe à 140€ avec lequel tu peux enregistrer directement le son de ta voix à partir de l'avant média. Ah non, c'est pas bien. Enfin, je sais pas.
Bah non, parce que t'as pas besoin d'utiliser ton ordi. T'as pas besoin d'avoir ton ordi à côté. Donc ce que je disais, c'est que ce bug par rapport à ce dresseur, c'est que je vais aller dans la route ici. Je vais juste mettre Kigaru en première position. Et là, ça marche plus. Si ça marche plus, ouais, j'ai un peu l'air con quand même si ça marche plus. Et voilà, le dresseur nous réaffronte. Donc soit c'est un bug du jeu, soit c'est vraiment quelque chose de voulu. Écoutez, je vais pas vous le montrer en vidéo, sinon ce serait la troisième fois. Je fais une petite ellipse. Quoi ? Je crois qu'on a entendu une partie de ce que t'as dit. Y'a pas quelque chose dans les bords ici ? Attends, mais j'ai un cherche-objet. Et ouais, équipe-le en BTY. Ah non. Tu peux pas en mettre deux, si tu peux en mettre deux. C'est quelle touche ? Ah, comment ça marche ? What ? Ça marche comment ? Bah en fait, dès que tu t'approches d'un objet, il y a le truc qui va se baisser encore plus. On peut rouler avec ça infiniment. Oui. Papa là, c'est de la merde. Tu perds du temps. What the f... Ah, il y a des Pokémon. Ah oui, heureusement. Là, je pense qu'il va voir ça. Désolé. Capture-le juste pour le lol et donne-le son nom que je veux le donner. Ouais, je vois. Vive attaque. Désolé pour le bruit du message que vous avez entendu. Miamiaz, il y a un nom bizarre quand même. Hein. Capture-le, je te dis. Ouais, je vais essayer. C'est un Pokéball, c'est bon. Hein. On vous fait une super bonne pour ça. Hein. Moche ce Pokémon. C'est une poubelle, mec. Sérieux ? Bah oui, c'est un Pokémon poubelle. Sérieux ? Ah oui. T'es sérieux là? Mais il est fort en plus ce Pokémon. Sérieux? Genre si tu fais chier, il t'envoie des truites à la gueule. Des canettes de coca aussi. La publicité intégrée à la vidéo. Oh. T'as ta souris sur la vidéo. Ah ouais merde, merci. Voilà. Donc, de toute façon tu as les avantages. Hein. Non, je peux pas ça. Bah si tu peux. Ah ouais? Bah oui! Ouais, je savais pas. Donc, comment tu veux que je l'appelle? Alors, G. A. Ga. M. Gam. E. Gamer. Non, S. Gamespod. C'est ça. Oh, comment elle est trop forte! Allez, entrez! Non! Voilà. C'est pas comme ça plutôt? Non, c'est pas comme ça. Comme ça? Oui. Voilà. D'accord. On va se barrer d'ici. Il va moisir dans le PC. Là, il est dans mon équipe, là. Oh non, merde. Regarde. Relâche-le. bicyclette et cherche-objet. What the fuck? C'est ça ton désert? C'est ça. C'est pas un désert ça. Ah, j'ai pas vu en fait. Un Riolu, lol. Niveau 21. Et moi je suis niveau 21 aussi, ou 20. Niveau 20. Et en mauvaise posture. Oui, yes, flemme. Il fait mal le con. Y'a quelqu'un? Oui, moi je suis là. J'ai eu peur. J'ai cru qu'ils étaient partis. J'ai cru qu'il y avait eu un bug Skype. Faudrait que tu rushes un peu. Bah je peux pas rusher les combats. Bah ok, est-ce qu'elle est morte? Aquasonic, venge-la. Je voulais au début l'appeler commençant par D en fait. Mais je suis là. Par D ça aurait été qui? Kalinos va être envoyé, je change pas. DOVH.
Ah, Dova. Spoil pas. Je réserve un autre Pokémon. Ah, tu veux réserver un autre? Oui. Bigarou monte au niveau 21. Bref. Quel Pokémon? Je vais donner une super potion. Rush ce putain de désert. Sur Gigarou. Parce que j'explique, là t'es pas dans le désert là. T'es hors du désert. Du coup t'as même pas encore commencé le désert. C'est là je suppose. Ah bah t'as fini le désert. What the fuck? T'as fini le désert. Bravo. Mais oh, mes excuses, je n'avais pas vu que tu étais là. T'as fini le désert, je crois, là. Voilà. Bienvenue à la Galerie Concorde, là où le monde s'amuse, en théorie. Comme tu le vois, il n'y a absolument rien à voir pour l'instant. Juste une rue déserte. Moi, très marrant. J'en suis le propriétaire et je compte bien en faire une route vers la gloire et la fortune. Cet endroit deviendra le carrefour des échanges mondiaux. Seul problème, je ne sais pas trop comment m'y prendre. Mais attends, okay. Fils, tu es un dresseur, n'est-ce pas? Tu as dû beaucoup voyager, et au passage, rencontre... Oui, bon, ta gueule. Idole. Carrefour. Hein? Expression favorite. J'aime les... Non, oh. Non mais non. What? Pourquoi ça marche pas? Parce que... Ça veut pas... Genre, j'aime tes fédés. Bidou. Oh putain, mais ta gueule! Vous êtes ému. Non, non, attends, carré, vous êtes ému. Oh oui. Merci. Comment... Ça marche pas! Mabi. Mamie. Yes, ça marche. Biesh, c'est charmant. Apparemment, je suis devenu responsable de quelque chose. Ouais, de ça, c'est la merde. Putain, mais c'est long et chiant en plus, hein. Ah, t'es déjà arrivé dans la ville et là, cherche. Voilà, et là, tu te balades et tu cherches la parcours. Elle est où? Je ne sais pas. Ah d'accord. Et le cherche-objet, il sert pas à quelque chose là? Ah! Ah! On s'approche de la pierre foudre. Mais non, pas ça! Ah. On termine sur l'évolution de Voltaï alors. Oh oui. Dis-moi que c'est la pierre foudre. Pierre foudre! Oui! Oui! Oui, oui, oui! Bon bah voilà! Attends, tu t'arrêtes devant la reine et tu le fais voler devant la reine. Non, je vais voler maintenant. Non, 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 je te jure. Parce qu'après, tu vas avoir une petite cinématique, donc ça va bien mettre l'épisode et tout. Bien, enfin, tu vois. Non, non, mais ça va déclencher une cinématique et l'épisode prochain, ils vont plus rien comprendre. Donc, arrête-toi devant le truc où tu vas t'arrêter. Pierre foudre donnée à... Oui. Phoenix. À tout le monde, t'étais, sauf moi. Non, stop. Quoi, j'évolue? Tu deviens plus intelligent. Enfin. Miaou, miaou, miaou. C'est un chien, mec. Donc voilà, Voltaï fait désormais partie de notre équipe. Est-ce que tu es content? J'ai envie de me suicider parce que Voltaï, c'est cool. Quoi? J'ai envie de me suicider parce que c'est cool, la mort, c'est ça? Non, parce que c'est cool, Voltaï. Ah, d'accord. Donc pour ça, t'as envie de te suicider. J'ai envie de me suicider parce que Voltaï. Alors, c'est ça la survie, mais c'est joué, hein. Alors, c'est quoi ta capacité spéciale? Absorbe Volt. Ah, c'est pas trop bon. Alors attends, regarde un truc sur internet. Prochaine attaque à prise. Ah, il aurait pas à prendre.
Il aurait pu apprendre double pied s'il avait fait s'il avait capturé niveau 16. Donc Darnu, il apprend aucune attaque éclair. Ouais. Mais c'est de la merde. Ouais. D'accord. Bah écoutez, on va se laisser ici pour cet épisode. Je vais aller soigner mes Pokémon. Puis je vais aller faire le montage, je pense, ou alors faire ça demain. Ouais, on va parler à Monsieur Médaille pour la fin de l'épisode. Ouais. Et c'est où à peu près qu'on peut capturer le prochain Pokémon de mon équipe? C'est-à-dire si tu veux. Bah Zorua. Et je sais pas, mais c'est loin, je pense. Je vois. Ouais, mais non, bah c'est dans 3-4 épisodes. Zorua, voyons voir. Zorua, c'est. Désolé pour le petit bruit que vous avez entendu. À Pont-Yo-Neuve. Oui, bah j'y suis. Mais... Et c'est où? C'est. Dommage après celui-là, toi. Apparemment... Ah, c'est un cadeau. Ouais, c'est un cadeau. Ouais. Oui, dans bon, écoutez, on va se laisser ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Que ça vous aura plu d'être en compagnie de cette personne que je ne connais pas qui est en notre compagnie. Non, c'est de la merde. Cool. Donc je vous dis à bientôt pour le prochain épisode qui ne sera pas en compagnie de des Phoenix, malheureusement. Si on peut dire ça. Et dans le prochain épisode, Aiko, il fera la reine. Ouais. Et je vais... Ah, le type électrique vol. Électrique vol. Ouais, électrique vol. C'est possible ça. Hyper chiante. D'accord. Je verrai ça pour le prochain épisode, je vais arrêter de tourner un peu. Parce que ça m'énerve un peu, il faut que j'aille tout le temps jouer. Oh, que tu chantes de série. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Allez, ciao, ciao. Allez voir ma chaîne.